En France, accélération de la campagne présidentielle à 2 semaines du premier tour. Chaude ambiance cet après-midi au Palais Omnisports de Bercy, où Jacques Chirac s'est exprimé devant plusieurs milliers de ses jeunes supporters en les invitant à être les moteurs du changement. Sur place, Véronique Saint-Olive, Jacques Gérard. C'était vaste, c'était déchaîné. Plus de 15 000 jeunes étaient là pour danser, chanter, crier leur enthousiasme et leur espoir. Sur la scène pour l'ambiance, du rap et du rock, en attendant Jacques Chirac. C'est notre avenir à tous, c'est nous qu'on construira. Hein. Le peuple, Jacques Chirac, il y a des échantillons autour de vous. C'est génial, on s'est levé à 5 heures pour venir de la Corrèze. Au coude à coude, les vedettes du showbiz et celles de la politique, les plus proches soutiens du candidat. Et d'entrée, Jacques Chirac fait vibrer cette marée humaine. D'entrée, il s'emploie à faire souffler l'esprit de conquête. C'est parce que je veux restaurer avec vous les valeurs de la République que je veux m'appuyer sur vous pour bousculer tous les conservatismes et tous les conformismes. Vous m'aiderez, je le sais, à faire triompher l'égalité des chances, à assurer la juste récompense du travail et du mérite, à renforcer la justice, la solidarité, la tolérance. Aux jeunes, Jacques Chirac propose de mener un double combat contre le sida et contre le chômage. Pour lutter contre la maladie, le candidat s'engage. Plus de moyens pour la recherche, plus de prévention, plus de compréhension. Contre le chômage, Jacques Chirac dessine les grands traits de l'orientation à la formation, avec toujours l'idée que les marges de manœuvre existent, pourvu qu'il y ait la volonté politique. À ces jeunes, Jacques Chirac a parlé aussi de la fierté d'être français et de l'Europe à construire. Tout un discours avec lequel le candidat s'est efforcé d'en appeler à la générosité et de donner à rêver pour associer les jeunes au changement qu'il propose.